¿Qué es l'amour? Ça, c'est la première question. Pour beaucoup de personnes, l'amour, c'est une émotion. Pour beaucoup de personnes, c'est une sensation qui arrive à toi quand tu es avec un enfant, quand tu es avec ton couple, quand tu es avec ton chien. L'amour, ce n'est pas exactement une émotion. Cette émotion s'éveille à travers de la conscience de l'amour. Même l'amour, c'est plus qu'un sentiment. L'amour, c'est une force. L'amour, c'est une essence. L'amour, c'est l'essence de la vie. Et nous comprenons, ah, ça va la première fois, nous comprenons que Jean vient de français. Nous comprenons que l'amour, c'est le flux d'énergie qui arrive de le créateur à la création et de la création à le créateur. Tu peux dire que le créateur aime à sa création. Et la création aime à sa créature. Aime à son créateur. Là, le symbole que nous le donnons à la création, c'est le symbole de la relation d'un couple. C'est l'énergie d'un homme qui arrive à une femme. La femme reçoit sa énergie dans son ventre pour produire la création. Et la création le donne à le créateur la conscience de soi-même. Le créateur se rêve à soi-même. Le créateur produit la création pour comprendre soi-même. Pour le créateur, ce n'est pas possible de comprendre soi-même sans création. Et l'expression physique, c'est comme l'univers s'est créé. L'univers se crée à soi-même, s'éveille, se comprend, se rêve. Et nous sommes ces expressions du créateur. Oui, nous sommes des créatures et nous sommes les créateurs en même temps. Nous sommes de la même essence. Et nous comprenons nous-mêmes à travers de la création de notre vie, à travers de les rêves de notre vie. L'essence, l'énergie, la lumière qui arrive de le créateur à la création, c'est l'énergie de l'amour de le créateur pour sa création. C'est la même chose, c'est une force de la nature. Et ça, c'est l'essence de nous tous. Nous sommes l'amour en action, l'amour en création. Quand tu regardes un petit enfant, tu regardes l'amour qui s'exprime toujours, sans limitation. Pour un enfant, pour exprimer son amour, c'est facile. Il arrive, il t'embrasse. Il te dit « je t'aime ». Il ne pense pas « qu'est-ce que tu vas interpréter quand Dieu te dit que je t'aime ?» Oui. J'espère qu'il ne va pas mal interpréter ce que je lui ai dit. Non, il te dit « je t'aime » parce que c'est naturel. C'est la force en soi-même qui s'exprime. Il est sans un système de croyance. C'est facile d'exprimer l'amour. Oui, c'est facile comme ça. Pour nous, en espagnol, exprimer, c'est comme quand tu presses un citron. Les Canadiens, ils sont aussi expressifs. Ah, okay. C'est facile d'exprimer son amour. Et notre nature, c'est ça. À début, nous l'exprimons
de façon naturelle. Après, nous développons un système de croyances qui donne une précision pour exprimer l'amour, donne des limitations. Et c'est ça quand nous commençons à couper la sensation de l'amour. De la même façon que nous commençons à couper la sensation de bien-être. Quand tu es un enfant, tu es heureux sans raison. Tu n'as pas besoin de raison. Tu es heureux parce que tu es heureux. C'est tout. Tu te veilles heureux. Heureux. À un moment, tu te tombes sur les émotions parce que tu ne contrôles pas tes émotions. À un moment, tu es fâché, à un moment, tu es triste. Même la tendance, c'est d'arriver à ce qui est naturel, à l'évolution, à la joie. Après, tu commences à développer un système de croyance pour projeter la sensation, la conscience de bonheur. Après, tu t'expliques à toi-même. Pour moi, je peux devenir joyeux quand je arrive à mes doutes. Comme ça, je vais à être misérable pour toute la route et quand je arrive, ça va, je peux devenir heureux. Oui? Si tu coupes ces idées, tu peux arriver à la conscience de bonheur pour toute la route. De la même façon avec l'amour. L'amour se développe en trois niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est, tu peux dire, l'amour égoïste. L'amour égoïste, c'est la conscience que tu as besoin des autres et que tu as besoin de l'amour des autres. Ça, c'est le premier niveau de la conscience quand tu as vraiment besoin des autres. C'est la conscience d'un bébé. Un petit bébé, c'est un être égoïste. C'est normal, c'est naturel. Il ne peut pas comprendre comme il a de chercher sa propre nourriture. C'est normal qu'il pleure et qu'il s'accroche à toi. C'est naturel. Sans toi, il va mourir. C'est normal. Comme ça, la conscience de l'amour à travers de l'égoïsme, c'est la conscience que j'ai besoin de toi. Et que pour arriver à l'amour, j'ai besoin de faire quelque chose pour trouver l'amour. Si je pleure, tu arrives à moi et tu me donnes ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer. Après, je élève des autres expressions pour chercher l'amour. C'est naturel. L'amour égoïste, c'est un amour conditionnel. C'est une conscience conditionnelle. C'est pas que l'amour est comme ça. C'est uniquement que je le comprends comme ça. La deuxième expression de la conscience de l'amour, c'est la conscience de l'amour altruiste. Oui, c'est dit altruiste. Altruiste. L'amour altruiste. C'est quand tu comprends que la source de l'amour, c'est toi. Tu donnes, et quand tu donnes, tu reçois un reflet de l'amour. Oui. Le bonheur de la pluie, c'est que nous pouvons devenir plus proches. Tellement mieux. Oui, là, tu n'as pas de parler. Non, pas. Pas beaucoup. Okay. Là. Si je te place par la bonjour. Approchez-vous à la source
de l'amour communel. Oui? D'accord. L'amour altruiste, c'est un amour qui comprend que la source est moi. Même j'ai besoin d'un reflet pour arriver à la compréhension de mon amour. Je te donne quelque chose et à travers de la réponse que tu me donnes, je sens l'amour. Quand tu regardes un petit enfant de 3 ans, il est altruiste. À un moment, il cherche une fleur et il te la donne. À un moment, il cherche le bouchon d'une bouteille, il te la donne. Et il regarde pour tes expressions. Si tu le dis « Ah, mon amour », il va chercher une autre chose et te la va donner. Des fois, il prend le repas, il gagne. Exactement. Parce que il comprend sa propre amour à travers de l'expression qui se reflète en toi. Qu'est-ce qui se passe si tu es fâché dans sa matin et il arrive avec quelque chose et tu lui dis, ça c'est poubelle. Et tu me donnes la poubelle toujours et tu cherches la poubelle toujours. Arrête! Pour lui, ça c'est mauvais. Parce qu'à ce moment, son amour est coupé. Sa expression d'amour est coupée. Et il se sent mal. L'amour altruiste a besoin d'un reflet. Et sans le reflet, l'amour, la sensation de l'amour, la conscience de l'amour est coupée. La conscience est. Oui, de certaines façons, l'amour, de certaines façons, l'amour altruiste, c'est un amour conditionnel aussi. C'est un amour conditionné à la réponse. Exactement. Sans le miroir, ne se reconnaît pas. L'amour inconditionnel, c'est l'amour que tu reconnais à travers de la source, sans besoin de la réponse. Tu comprends que tu es l'amour et que tout est amour, même si la réponse est mauvaise. Tu comprends que tu peux devenir une meilleure expression de l'amour, c'est plus propice. L'amour est expressé exprimé dans deux expressions. Oui, exactement. Et l'amour s'exprime à travers de l'admiration et à travers de le respect. Et de la même façon, quand tu te tombes sur l'amour de façon égoïste, les expressions égoïstes sont des expressions égoïstes d'admiration et des expressions égoïstes de respect. Le problème à un moment sur les personnalités, c'est qu'à un moment la personnalité est accrochée à une expression d'amour qui pas correspond à l'évolution de la personne. À un moment, tu peux regarder une personne qui est adulte, même dans le processus d'assembler la personnalité, il a assemblé des expressions égoïstes parce que dans le moment qu'il s'est élevé, sa personnalité s'est accrochée à travers d'une dépendance. Je les donne un exemple. Quand un enfant est petit, l'enfant comprend que l'amour est inconditionnel. Il comprend que sa mère l'aime, que son père l'aime, que toutes les personnes autour l'aiment sans raison, sans explication. C'est un flux naturel. Si tu le demandes à un enfant, est-ce que tu es beau? Il te va dire oui. Est-ce que tu es bien aimé? Oui, je suis bien aimé. Est-ce que tu penses que ton père t'aime? Oui, bien sûr. Ce n'est pas une question pour lui.
même à un moment, le père le peut dire, je ne t'aime pas quand tu fais ça. Et si tu es un bon garçon, je t'aime. Si tu n'es pas un bon garçon, je ne t'aime pas. Quand tu es... quand tu fais des bêtises, je ne t'aime pas. Pour les petits enfants, à ce moment, dans son système de croyance, ça n'arrive pas vraiment à accrocher. Même, il accroche à travers de l'émotion une idée qu'il va développer après. Comme ça, il va chercher de faire un échange pour arriver à l'amour. Il va faire quelque chose pour trouver l'amour. Et comme ça, pour la vie, nous cherchons des choses pour arriver à l'amour, pour arriver à l'admiration des autres et pour arriver au respect des autres. Ce n'est pas possible que les autres me respectent si je n'ai pas une personne respectable. Ce n'est pas possible que les autres m'admirent si je ne suis pas une personne admirable. Et comme ça, tu regardes comme le système de croyance t'explique. Pour devenir admirable, tu as besoin de ça. Tu as de faire ça. Pour devenir respectable, tu as de faire ça. Et pour arriver à l'amour, tu as besoin de ça. Comme ça, tu cherches la meilleure maison, la meilleure voiture, la meilleure présence, la jeunesse perpétuelle pour trouver l'amour. Et c'est une folie. C'est vraiment une folie. Parce qu'à un moment, une femme arrive à toi et tu commences à développer l'idée, oui, elle est avec moi pour la maison, pour la voiture, pour la jeunesse, pour la force, pour que je suis un homme de pouvoir. Et la sensation d'amour n'arrive pas. Ça, c'est une maladie de notre société. Sa maladie s'exprime à travers de... Si tu as d'être admiré, tu as de faire quelque chose. Si tu as d'être aimé ou respecté, tu as de faire quelque chose. Et comme ça, tout le système de croyance commence à devenir plus complexe. Te demande encore et les sensations d'amour, de bien-être, de respect, d'admiration, n'arrive pas. À un moment, tu arrives de 5 fois par année. Oui? À un moment, tu arrives une fois, à un moment, tu arrives une fois chaque 10 années. Chaque fois, c'est plus difficile. Dans l'expression altruistique, altruiste, et l'amour arrive de façon plus facile. Même se coupe aussi à travers la réponse. À un moment, tu es tellement gentil avec des personnes. Et tu les donnes le respect parce que tu comprends, je les vais donner le respect, et je les vais admirer. Même si la personne fait quelque chose que pour moi, c'est pas la bonne réponse, je vais couper l'admiration pour la personne. Je t'admire, tu es l'amour de ma vie. Même si tu continues de manger avec la bouche ouverte, je vais arrêter ma admiration pour toi et je vais arrêter de t'aimer et de te respecter. Parce que dans mon système de croyance, ça c'est mauvais. Exactement. Ça donne des conditions à travers de les reflets. À un moment, les personnes te répondent de façon bizarre. À un moment, tu les donnes ton amour. La personne est mal de en soi-même. Et à un moment, tu donnes une réponse mauvaise. Comme ta mère quand te dit, arrête de porter poubelle à moi, de donner poubelle à moi. Quand pour toi, ça c'est le meilleur trésor. Et l'amour inconditionnel, c'est une conscience qui est facile d'éveiller. Quand nous regardons, quand nous observons,
sans un cadre de référence. On nous observe la nature de l'amour. Quand tu regardes le soleil, la source d'amour pour le planète Terre, tu regardes l'amour inconditionnel. Tu regardes que le soleil se projette toujours pareil pour tous. Oui? Oui. Oui, c'est pareil pour tous. Avec pluie, avec... c'est pareil. C'est pas que tu es une bonne personne et pour toi le soleil te donne beaucoup, encore des rayons. Et que si je suis mauvais ou que si je suis pas si je suis comme tu dis, j'ai oublié même les mots en espagnol et en anglais. Si tu es pas un bon garçon, le soleil te donne la même chose. Si tu es un voleur, si tu es un gangster, le soleil arrive de la même façon pour toi. La terre, c'est la même chose. La terre te donne toujours. La mer te donne toujours. Tout te donne toujours. Sans évaluer si tu es une bonne personne ou pas une bonne personne. L'amour est inconditionnel. De la même façon, tu peux regarder dans le journal parler, quand tu regardes les histoires des assassins, tu regardes que autour de la prison sont des personnes qui l'aiment, qui demandent que la personne est libérée, qui demandent que la personne est pas tuée pour ses crimes. Parce que l'amour est inconditionnel. L'amour est inconditionnel parce que l'amour c'est notre nature. Et c'est normal que nous profitions ce reflet de l'amour. C'est de comprendre comment l'univers et la création fonctionnent. La création, c'est un rêve. La vie, c'est un rêve. Nous sommes dans l'idée qu'un rêve, c'est une fantaisie, c'est une chose qui passe la nuit sans contrôle, sans importance. Toutes les rêves de ta vie sont des expériences intérieures. Et les rêves intenses sont des grandes expériences de ta vie. Toutes les rêves importantes sont des rêves qui sont accrochés à ta mémoire. Tu te peux souvenir de les meilleurs cauchemars de ta vie et bien sûr que ces expériences te donnent une tendance en ta vie. De la même façon, les rêves plus beaux de ta vie, comme tu te sens à la prochaine matin, comme la journée se a démarré à travers de ces rêves. Quand tu te tombes dans un rêve, quand tu te fais mal dans un rêve, tu le sens, ton corps produit une réaction. Quand tu regardes les chiens, quand les chiens rêvent, tu regardes le plaisir, tu rêves. C'est vrai pour le corps. Toutes les hormones circulent dans ton corps quand tu rêves. C'est une expérience physique aussi. C'est une expérience réelle. Maintenant, tu rêves. Tu rêves de moi. Et tu rêves de toi. Et tu rêves du monde autour de toi. C'est un rêve connecté à la matière, connecté à l'espace, connecté à le temps que la Terre produit pour nous. Même c'est un rêve. C'est une expérience de vie. C'est l'expérience de toi-même. Comme un rêve se produit. Un rêve se produit à travers une communication de le flux d'amour, de le flux de lumière, d'énergie entre toi, le point de référence et le rêve autour de toi. C'est comme un petit rêve à l'intérieur d'un grand rêve. À la nuit, tu produis un rêve autour de toi.
C'est un grand rêve, mais c'est un rêve à l'intérieur de toi-même. Tu es le créateur. Le rêve, c'est toi-même. Et pour exprimer ce rêve, tu produis un autre rêve, un petit rêve à l'intérieur que tu le donnes un système de croyance, un point de vue, et tu l'appelles moi-même. Je l'appelle dans sa rêve Hector, et tu l'appelles comme tu t'appelles. Et le rêve commence à démarrer. Tu fais quelque chose et le rêve te répond. Le rêve reçoit l'information et répond avec une autre information. Tu reçois l'information et tu produis une réaction. Tu produis ou tu produis? Tu produis. Produis? Okay. Le rêve reçoit l'information et produit une autre réaction. Et comme ça, le rêve marche. Maintenant, c'est la même chose. Ton rêve produit une communication avec le rêve autour de toi. Tu me demandes quelque chose, je te répondre. C'est une communication. Tu le demandes à le monde autour de toi, le monde te répond. Quand tu rêves la nuit, tu n'es pas conscient que tu rêves. C'est uniquement une réaction de ton système de croyance et une réaction de le rêve. À un moment, le rêve devient en un cauchemar. À un moment, ce n'est pas possible de veiller. Parce que tu n'es pas conscient que tu rêves. Qu'est-ce qui se passe si tu t'éveilles à l'intérieur de ton rêve? Si tu arrives à la conscience que tu rêves. Change ton rêve. Exactement. À le moment que tu arrives à l'idée, je pense que je rêve, le cauchemar arrête. Le monde autour de toi arrête. Et à ce moment, tu comprends comment le rêve fonctionne. Je change le point de vue. Et je donne une information à le rêve. Et le rêve change. C'est pas au contraire. C'est pas que j'ai besoin d'arriver à une circonstance pour me sentir bien. C'est que je me sens bien, les circonstances commencent à changer. C'est tout au contraire de comme les personnes pensent. Parce que les personnes fonctionnent sur un système de réactivité. De la même façon à la nuit et de la même façon à la journée. Quand je comprends ça, je regarde le cauchemar que je produis avec la conscience que je suis le créateur, que je produis une stimulation, que je produis une information. Ou que je me suis placé pour l'expérience. Et que pour sortir de la cauchemar, je dois comprendre comment je suis arrivé. Comment je me suis placé. Qu'est-ce que je suis fait pour produire ce cauchemar. Quand tu regardes les autres, c'est évident. Tu es dans la case de supermarché. Et tu regardes une personne qui arrive très en colère. Et comme il est en colère, il arrive à la case et il commence à engueuler la caissière. Oui? Et bien sûr que la réponse de la caissière, ce n'est pas la meilleure réponse. Et il se sent agressé. Et comme il se sent agressé, il dit « Oui, toutes les personnes sont agressives avec moi, et ça c'est la raison que je suis comme ça. » Et pour toi, c'est évident. Oui, c'est évident que tu agresses le monde t'agresse. C'est pas au contraire. C'est évident pour toi que le regard de côté. Même quand tu arrives à la même réponse, pourquoi le monde m'agresse à moi? Pourquoi je les dis ça et les
personne ne répond pas. Pourquoi je le demande à l'univers, donne-moi ça, et l'univers me donne une autre chose. Pourquoi? Regarde toi-même, regarde ton système de croyance, regarde comme ton système de croyance projette des conditions et comme l'amour arrive de façon conditionnée à travers de tes idées. Et que si tu changes tes idées, si tu changes tes croyances, la création changera. C'est simple. C'est de comprendre sa source. Tu es aimé, toujours. Pourquoi l'amour n'arrive pas de la façon que tu veux? Parce que tu as des distorsions sur ton système de croyance, c'est tout. Même si tu arrives à la compréhension que tu es aimé toujours, les rêves commencent à changer. Quand tu te lèves le matin, si tu poses ton bras dans le rayon du soleil et sans penser, uniquement le donne l'attention à les sensations en ton bras, à le plaisir qui arrive à travers le soleil en ton bras. L'amour qui s'éveille à partir de ton corps, à travers des sensations. C'est facile. Quand tu respires, ces sensations qui s'éveillent dans la poitrine, quand tu es uniquement à côté de la personne que tu aimes, qu'est-ce que tu sens à travers de sa présence ou de son présence? Qu'est-ce que tu sens? Uniquement pour être rassuré qu'il est à la maison ou qu'elle est à la maison. Ces sensations sont ces sensations de la conscience de l'amour en toi, de l'amour inconditionnel. Quand tu parles avec ta fille, quand tu évoques à la distance, quand tu éveilles les mémoires de l'amour. Parce qu'à un moment, nous sentons que nous sommes toutes seules. Et comme je suis toute seule maintenant, parce qu'elle n'est pas à côté de moi maintenant, je me sens pas aimée. Non. Si je l'évoque, je évoque sa présence, et je évoque tous les moments qu'elle a été à côté de moi, je sens ça, parce que ça s'éveille en moi. La présence. Évoque la présence. Et évoque la présence de toi-même. J'aime bien les salutations anciennes des anciens Toltecs, parce que sont des salutations profondes. Et comme sont des langues, comme se dit, agglutinantes, sont des langues qui produisent une parole à travers d'accrocher des autres paroles en un seul, comme l'allemand. Oui. Et à un moment, avec deux ou trois paroles, tu dis beaucoup de choses. Oui. Comme la parole que c'est utile pour dire remercier, c'est une parole qui agglutine beaucoup de choses. Et c'est une façon de dire ton amour est chaleureux, tu aimes avec beaucoup de feu. Ça, c'est une façon de dire je te remercie. Des expressions la langue c'est une langue qui s'appelle Nahuatl. Même Nahuatl signifie un son qui est beau. Et comme ça, à un moment, son, la parole Quetzalcoatl, c'est toute une signification ensemblée à travers de deux paroles. Et comme ça, sont toutes ces signes. Une de ces salutations, c'est une salutation qui dit que tu restes toujours dans la présence divine en toi-même.
que tu es éveillé toujours en toi-même. Et la conscience de ça. Pourquoi je les dis que l'essence de l'amour, c'est l'essence de nous-mêmes? Parce que nous sommes les créateurs et la création en même temps. Et nous sommes les deux essences ensemblées en même temps. Le créateur habite en moi, de la même façon que le créateur habite autour de moi. Je suis un petit rêve dans l'intérieur d'un grand rêve. Le rêve autour de moi, c'est le créateur et la création. Le rêve en moi-même, c'est le créateur et la création. Et le créateur en moi se communique avec le créateur en la création, le créateur universel. Et la création en moi se communique avec toute la création. Qu'est-ce que je communique? Pas uniquement à travers de mes paroles. Qu'est-ce que je communique quand je vibre comme un tambour? Quand je projette amour à travers de mon regard, à travers de ma respiration? Qu'est-ce que je éveille en les autres? Je éveille sa présence. Qu'est-ce que je fais quand je visite un maître éveillé indien, ou c'est dit indien? Indien. Qu'il se sent comme ça, avec ses yeux fermés, et il commence à respirer. Et je sens une chose qui s'éveille en moi. C'est ça. La conscience humaine éveille la conscience humaine en des autres. Qu'est-ce que je sens quand une baleine s'approche à moi? C'est pas possible de décrire. Mon système de croyance arrête complètement. Et je suis immersé dans l'expérience. Qu'est-ce que je sens quand ma compagne arrive à moi? Mon système de croyance arrête. Quand ma fille arrive à moi, mon système de croyance arrête. Ici, mon système de croyance arrête. C'est facile. C'est l'amour. Sans condition. Le problème, ce n'est pas les conditions que les autres m'imposent. Le problème, sont les conditions que je impose à moi-même. Pour recevoir l'amour, qu'est-ce que je dois de faire? Je dois être beau, je dois être bien rasé. C'est mauvais, ça ne va pas. Maintenant, je pique. Comme ça, c'est pas facile. Regarde toi-même, sans condition. Qui tu es? Tu es unique. Unique dans l'univers. Rien des expressions universelles sont comme toi. Rien. Tu es la seule expression artistique de Dieu sur la terre comme toi. Regarde toi-même sans un cadre de référence, sans comparer toi-même avec des autres. C'est une folie. Si je regarde un Picasso, c'est un Picasso. Et si je regarde un autre Picasso à côté, sont deux Picasso différents. C'est pas possible de comparer. Si je regarde deux Gémeaux, sont deux Gémeaux différents. Jumeaux. Deux jumeaux. Et qu'est-ce que c'est jumeaux? Piscine.
Le signe du zodiaque. Ah. Oui, même le signe du zodiaque sont différents aussi. Oui, c'est de regarder nous-mêmes comme ça, à travers des idées claires de nous-mêmes, des idées qui se relationnent avec la vérité en nous-mêmes. Les idées de comparaison sont idées complètement irréelles. Si je me compare avec la personne que j'ai été avant, rien à faire. Ça, chaman avec les cheveux longs, oui, il est beau aussi, même, il n'est pas ici, il est mort déjà. Je suis une autre création. Oui, oui, maintenant, il commence à grandir. C'est une autre création de moi, unique. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je dois de regarder qui je suis maintenant. C'est de découvrir moi-même toujours. Et comme ça, je peux découvrir la personne à côté de moi-même toujours. Et émerveiller moi-même une autre fois. Quand je regarde la lune, quand je me sens dans la pluie, dans la possibilité de la matière. Le corps est divin. Le corps n'est pas bel ou pas bel, le corps n'est pas beau ou pas beau à travers les sages. Non, le corps c'est un véhicule pour une expérience unique. Le corps te donne le contact avec le monde matériel et les sensations du monde matériel. Quand je bois un café froid, ça le cadre de référence que le café a d'être chaud toujours. Et je arrive à les sensations dans ma bouche, les saveurs dans ma bouche. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand je touche une personne, ou quand je me touche, ou quand je sens que la pluie me touche, c'est une expérience merveilleux. Toutes ces sensations qui s'éveillent dans notre corps. C'est merveilleux. Ces sensations arrivent à moi à travers de l'expérience aussi. C'est une maîtrise. Chaque fois, je sens de plus. Quand je suis conscient de ce que je sens. Quand je suis avec une personne. La première fois, je sens quelque chose. La deuxième fois, je sens encore. Quand je embrasse, qu'est-ce que je sens? La deuxième fois, je sens de plus. La troisième fois, je sens de plus. Toutes les expériences et les mémoires en mon corps me donnent encore des possibilités pour sentir. Un corps vieux, a encore des possibilités de sensation à travers de mes expériences. Si je éveille mes expériences, pourquoi je le donne la référence à l'inverse? C'est une folie. Tout le contact de l'énergie ensemble, c'est merveilleux. À travers de la matière. Donne une autre considération. Comme ton corps te aime. Ton corps, c'est la même chose que le soleil. Ton corps te aime sans condition. Tu le dis, je dois boire 2 litres d'alcool maintenant. L'âme. Oui, et ton corps le boira. Oui. Ton corps ne te dit pas non, non. Ça, c'est pas possible pour moi. Non, ton corps fait. Fais ça. Mais il est malade après. Oui, même il essaie d'équilibrer soi-même dans le pire scénario possible que tu lui as donné. Et après, tu lui dis, ah, c'est mauvais que tu réponds comme ça. Ton corps te répond toujours de la meilleure façon. Tu abuses de ton corps et ton corps essaie d'éveiller une autre fois.
Et tu l'as vu une autre fois, et il essaie de te donner le meilleur toujours. C'est une source d'amour inconditionnel. Regarde ton corps de la même façon, donne l'amour inconditionnel à travers de ta pensée. Regarde la beauté de ton corps. Regarde les cadeaux que ton corps fait pour toi. Avez-vous des questions sur l'amour inconditionnel? Voilà. C'est difficile à mettre en œuvre tout ça. Au quotidien, c'est difficile à mettre en œuvre quand on est un humain qui vit. La chose, c'est que ce n'est pas habituel. C'est facile parce que c'est la meilleure façon de projeter ton énergie. Maintenant, si tu sens ton corps, tu te sens bien. Et c'est plus facile de continuer comme ça. C'est uniquement de changer l'habitude. Nous sommes dans l'habitude de tomber sur les mêmes pensées toujours. Ce n'est pas facile, mais nous le faisons toujours. C'est une habitude. C'est comme un malabariste, les personnes que... Un jongleur. Si je suis un jongleur, je commence à faire ça, à jongler, à un moment, ce n'est pas facile. Même à travers de la pratique, c'est facile avec ça. À travers de la pratique, je prends encore des choses. Et à travers de la pratique, au moment où je lève 20 choses différentes. Et à un moment, si une personne me demande, laisse ça. Non, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile parce que je suis habitué. Même laisse tout ce temps et tu vas regarder que facile c'est la vie avec les mains vides. Oui, c'est ça. C'est d'essayer. C'est de. Chaque fois, essaye. Chaque fois que tu te dis quelque chose qui n'est pas vrai, dis ça, n'est pas vrai. Donne pas l'attention à ces pensées qui ne sont vraies pas. Et comme ça, c'est plus facile. Oui. D'accord.